waaw ëmb bi moom maa ngi ko dundee ak bànneex, amul benn difficulté parce que suivi prénatal bi baax na, maa ngi doon topp samay rendez vous normal. Man gynécologue bi def na périphimétrie normal, bi mu ko defee dafa constaté ni man bassin limite laa am, waaw dañ may césarienne. Waaw man tamit ma daal di préparé waaw moom ma defaral césarienne, aw ma si benn problème amul fay dara, sama carte d' identité rek lañ ma laaj, mais laajuñu ma dara, tout est gratuit, tous les médicaments administrés sont vraiment gratuits. Des obstacles qui font que la population n'utilise pas les services de santé. Et c'est dans ce cadre que le Sénégal a développé ce qu'on appelle la couverture maladie universelle. Et dans ce cadre, il y a la gratuité de la césarienne. Elle permet aux femmes d'accéder aux structures sanitaires sans obstacle financier. Avec la construction des blocs opératoires, la prise en charge de certaines complications liées à l'accouchement peuvent se faire très précocement au niveau le plus périphérique, cela veut dire les districts sanitaires. Donc ça, c'est une bonne initiative à disséminer dans les autres districts pour que tout ce qui est complications liées à l'accouchement ne puisse pas aboutir à un décès. Aujourd'hui, il y a certains blocs sur nous qui ont ouvert grâce, je dirais, à la présence de ces médecins qui ont été formés par l'appui de l'OMS. Et nous appelons aux uns aux autres les partenaires, la société civile, la communauté de s'approprier cette lutte afin que nous puissions atteindre la couverture sanitaire universelle passant par le soin de santé primaire.